On fait pas trop long parce qu'il y a un truc après. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne Twitch du Populaire du Centre pour notre émission CSP Time en direct live, une émission dont notre invité est le capitaine du Limoges CSP, Nicolas Lang. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sois le bienvenu, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, avec plaisir, pas de souci. Pour nous accompagner, la caution journalistique, le spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Salut à tous. Vous pouvez poser vos questions via le chat, n'hésitez surtout pas, nous ferons le maximum pour les relayer à Nicolas. Au sommaire de ce CSP Time, nous évoquerons bien évidemment la situation sportive du Limoges CSP et dans la deuxième partie d'émission, nous nous concentrerons sur le joueur, sur l'homme, sur ses performances, sur son passage en équipe de France et son avenir. CSP Time, saison 5, épisode 5, c'est parti. Alors on commence par la situation comptable du Limoges CSP à la veille du match contre Gravelines. Donc après 9 journées, il affiche ce CSP un bilan déséquilibré, 5 défaites pour 4 victoires et une 9e place au classement à un point des playoffs, mais aussi à une défaite d'un relégable. Alors Mathieu, il y a donc deux manières d'appréhender ce classement, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, comment on peut voir les choses? On peut le voir, pour moi je le vois plutôt pour l'instant à moitié plein, dans le sens où le CSP affiche un bilan, comme tu l'as dit, négatif de 4-5, mais il a souvent été dans les matchs. Je pense notamment au premier à Nanterre, ça peut basculer en sa faveur. Au Mans, ça peut aussi tourner en sa faveur sans la fin de match. Pour moi, il y a vraiment un seul faux pas, c'est la défaite à domicile face à Cholet qui ternit un peu le bilan du CSP. Sinon, sur le reste, avec une équipe sans cesse remodelée au cours de la saison, on le sait, la pré-saison difficile, je pense que Limoges est à sa place aujourd'hui et qu'une autre saison va débuter avec les retours des blessés, avec les retours d'Assa et de Jerry Blex. Donc aujourd'hui, ce bilan, il est pour moi logique presque. Nicolas, toi, comment tu l'appréhendes, ce bilan? Est-ce que tu vois plus de bonnes choses que de mauvaises? Comment tu vois les choses? Ouais, je pense que je suis un peu pareil. Bien sûr, j'ai tendance à être un peu déçu, un peu comme Mathieu disait, Nanterre. Nanterre, c'est pour moi, c'est vraiment dommage d'avoir laissé échapper ce match-là. Cholet à domicile ou Le Mans à l'extérieur, donc voilà, on sait que tous les matchs serrés, tu vas pas forcément les prendre, tu vas en laisser de côté, mais c'est vrai que si on avait rien que sur ces trois matchs-là réussi à prendre juste un match de plus, à 5-4, je pense qu'on aurait été on aurait été bien, on va dire pas récompensé, mais entre guillemets, ouais, plus à notre place, on va dire. Maintenant, voilà, la situation comptable est ce qu'il est. Elle est ce qu'elle est et faut juste se concentrer sur le prochain match demain et essayer de rééquilibrer ça. Ouais. Mathieu, tu l'as dit, hein, il y a deux joueurs qui vont réintégrer l'effectif, Jerry Blex et Hassan Ndoye. Pardon. Est-ce que ça va changer des choses en bien ou est-ce que ça risque, on le sait parfois, de remettre un petit peu un coup dur dans le collectif et qu'il va falloir retravailler des choses? Bah, on le sait, hein, c'est toujours l'éternelle question quand tu récupères deux joueurs comme ça en cours de saison. Maintenant, comme on en parlait avec Nicolas à l'issue de l'entraînement de jeudi, c'est deux joueurs qui font partie de l'effectif depuis la pré-saison. Ils débarquent pas non plus complètement de nulle part. Ils ont pu voir beaucoup d'entraînements du CSP. Ils ont même participé à des entraînements du CSP. Ils connaissent les systèmes, ils connaissent un peu tout. Maintenant, la question va être de savoir comment ils vont se fondre dans le collectif. Je pense que pour un joueur comme Hassan Ndoye qui n'a pas forcément besoin de toucher beaucoup le ballon, ça va être moins compliqué. Il va apporter des qualités que n'a pas le CSP aujourd'hui, notamment en défense, grâce à sa polyvalence, sa manière d'attaquer le cercle sur les postes 3-4. Je pense que ça peut être très intéressant. Jerry Blex, de son côté, lui, c'est un peu plus l'inconnu pour moi, dans le sens où je pense que c'est un joueur qui a besoin d'un peu plus la balle. Et donc là, on peut se demander si ça va pas bouleverser un peu la chimie qu'a tout de même trouvé le CSP actuellement. Parce que si on a parlé du bilan tout à l'heure, en termes d'identité de jeu, il y a déjà quelque chose dans cette équipe qui a toujours été dans les matchs, qui a une vraie philosophie défensive. Donc moi, plus l'inconnu, ça va être sur le retour de Jerry Blex. Nicolas, toi, comment tu vois les choses? Est-ce que ces deux arrivées sont pour toi un gros plus pour l'équipe ou est-ce qu'il va falloir avoir un petit temps d'adaptation pour le groupe? Non, je pense que il va pas falloir juger ça sur un ou deux matchs. Voilà, ils ont été avec le groupe depuis le début. Ils ont vu tout ce qu'on voulait faire. En pré-saison,
c'était des pièces importantes quand il jouait de l'équipe. Maintenant, on revient pas forcément ça reste quand même des blessures sur une. C'est pas 6 mois, mais c'est quand même des blessures de 6-8 semaines. Tu reviens pas du jour au lendemain, même si tu t'es super bien entraîné, même si t'étais au contact de l'équipe, tu reviens pas du jour au lendemain comme ça dans un rythme de match à direct produire ce que tu peux produire quand t'es à 100%, t'as ton rythme. Donc, moi je pense qu'il faut, on va attendre de voir. Nous, on fait tout pour les, on va dire les, pas les intégrer, mais les réintégrer au plus vite. Mais après, il va pas falloir juger sur le court terme, mais voilà, être aussi indulgent avec eux et leur laisser un peu de temps. Au-delà des individualités dont tu as parlé, est-ce que collectivement, ça risque de perturber un peu l'équipe? Mathieu parlait d'une identité. Est-ce que ça risque peut-être de perturber justement cette identité, ces deux arrivées? Non, bah non, je pense pas. Je pense pas, mais après, je suis pas devin. Hein. J'ai connu plus. Beaucoup de situations. Non, je suis pas kiné, je suis pas devin, je suis pas coach, mais j'ai connu beaucoup de situations où des fois tu vois une alchimie et au final c'est pas du tout ce qui a été attendu et vice versa. Donc honnêtement, ça j'ai beaucoup de mal à répondre de ce côté-là. Je pense qu'on a un coach qui est aussi qui a le caractère pour gérer ce genre de choses. Donc voilà, encore une fois, le fait qu'ils aient été avec nous depuis le début de saison, je pense que sur le fait de les réintégrer dans l'effectif, ça peut aider à voilà à pas bouleverser ce qui a été mis en place depuis le début. Après voilà, il y a que pour répondre totalement, il y a que le terrain qui parlera quoi. Mathieu, en championnat là, c'est un gros mois de décembre qui arrive, hein, 5 matchs à jouer. Il y a Monaco à Monaco, il y a l'Asvel à l'Asvel, mais il y a aussi Gravelines et Fos à domicile et match à Orléans. Est-ce que sur au moins ces 3 derniers matchs, le CSP doit faire le plein? Ah ben c'est l'objectif, ouais. Je pense que tu t'es quasiment, enfin c'est toujours compliqué de dire ça, quasiment obligé à ce stade de la saison de gagner ces 3 matchs. Mais on l'a dit, il y a ce faux pas face à Cholet qu'il faut bien récupérer. On va pas attendre des miracles, même si on va l'espérer fort du CSP à Monaco ou à l'ASVEL, même si d'autres équipes ont montré que c'était possible d'accrocher ces deux formations. Mais ouais, je pense qu'il faut faire le plein, à commencer par samedi soir face à Gravelines, qui est un adversaire direct dans la lutte pour les playoffs clairement, et qui a beaucoup de talent sur le papier. Fosse à la maison, ça fait quand même partie des matchs que tu dois obligatoirement prendre quand tu vises les playoffs. Et t'as dit le déplacement à Orléans, c'est pour moi c'est un peu plus que du bonus. Ouais, faudrait le prendre celui-là aussi. Donc un 3/5 au mois de décembre, ça me paraît être un bon objectif et surtout nécessaire pour la qualification. Mais je sais qu'il va pas être d'accord, hein, Nicolas. Il va dire ouais, la saison est longue, il peut tout se passer. Mais moi, je pense qu'il faut mieux prendre tous ces 3 matchs. Quoi. Nicolas, justement, ces 2 matchs à Monaco et à Villeurbanne, est-ce que dans la peau d'un Limougeot, on se dit bon, voilà, on y va pour aller jouer puis faire le max, ou est-ce que c'est un peu perdu d'avance? J'imagine pas quand même. Vous êtes des compétiteurs, donc comment on les appréhende ces 2 matchs-là à Monaco et à Villeurbanne? Non, non, moi je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là, et pour contredire Mathieu, je suis plutôt d'accord avec lui, voilà. Pour une fois. Déroutant. On le note là. Non, non, mais honnêtement, j'ai toujours eu cet état d'esprit où, au final, j'ai chaque match que tu vas pour jouer, tu vas pour faire quelque chose. Tu peux pas y aller avec un état d'esprit où t'es déjà sûr d'avoir perdu, et au contraire. Je pense que quand j'ai joué dans des équipes où il y avait des fois, on va dire, un peu de marge sur certaines équipes supposées plus faibles, j'ai jamais réussi à me dire en arrivant à un match que ça allait être facile, que ça allait être gagné, parce qu'on est quand même dans un championnat où il y a quand même souvent des surprises. On voit le classement qui est très très serré. Donc pour répondre à la question, j'ai aller à Monaco ou à l'ASVEL, ça reste des gros challenges, on va pas se mentir. Mais c'est des matchs très intéressants à jouer, et tu peux pas y aller en te disant que tu vas perdre. C'est pas le bon état d'esprit. Et à contrario, tu peux pas arriver dans les matchs en disant t'es sûr de gagner ou t'es obligé de gagner. Enfin, c'est pas non plus le bon état d'esprit. Mais par contre, clairement, ça reste des matchs très importants à prendre.
Quand je dis que la saison est longue, Mathieu, généralement, c'est en août ou en septembre. Après, là, on est déjà en décembre. Bon, c'est bon, ça compte ça, maintenant. Ça se raccourcit. Ça compte maintenant. Bon, c'est... Le problème de ces matchs face à Monaco et à l'ASVEL, à mon sens, c'est que ils vont les prendre très, très sérieusement. Je pense que ces équipes-là, quand elles reçoivent le CSP, ça reste quand même un match de gala, recevoir Limoges pour Villeurbanne, ça reste un classique du championnat. Donc je pense qu'il n'y a aucune chance qu'ils prennent le CSP à la légère, rien que pour ça. Et c'est pour ça que je m'attends, pour d'autres raisons aussi, à des matchs forcément compliqués, quoi. Après, on l'a vu depuis le début de la saison que l'ASVEL et Monaco ressortent pas foncièrement indemnes de leur match de Euroleague. Oui, mais c'est que il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ce qu'on se dit aussi, Nicolas. On l'a vu plusieurs fois cette saison. Hein. Ouais, après, on peut pas forcément se baser là-dessus. Enfin, c'est des analyses qu'on peut plutôt faire après les matchs en se disant est-ce qu'on les a trouvés moussés physiquement, quelles rotations elles ont fait, est-ce qu'ils étaient meilleurs que la semaine dernière quand ils étaient au complet. Ça, c'est des analyses que tu peux tirer après, mais nous, en tant qu'équipe qui vont jouer contre ces équipes-là, tu peux pas avant le début du match te dire ah là ils ont mis lui au repos, ils ont joué deux matchs dans la semaine, parce que une équipe comme Monaco ou l'ASVEL, même quand ils mettent je sais pas les trois meilleurs joueurs au repos et qu'ils ont joué trois fois dans la semaine, ça reste quand même une équipe qui où le 10e, 11e, 12e homme pourrait être un joueur du 5 majeur dans n'importe quelle autre équipe du championnat de France. Donc non, moi je pars absolument pas en me disant ah là ils sont moins bons que la semaine dernière ou des choses comme ça, parce que pour moi ça reste n'importe quel joueur dans ces équipes là ça reste du très haut niveau. En tout cas, ces rendez-vous Gravelines, Orléans, Fos, ceux-là ils sont quand même très importants quand même, hein, pour le club. Tout à fait, mais comme je vois pas beaucoup de matchs qui sont pas importants cette année, donc ça en fait partie. Bah, peut-être soit l'ASVEL et Monaco un peu moins important, on va dire, pour une fois. Ouais, mais encore une fois, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Non, mais bien sûr, toi tu peux pas dire ça, mais ça c'est nous qui, c'est parole de journaliste, ça. Voilà, dites. Mais il y a pas de problème. Bon, deux exploits du Limoges CSP, voilà. Allez, on tape dessus. Bien, on en termine là avec cette première partie d'émission et on va s'intéresser un peu plus à toi, Nicolas. Ma première question est-ce que tu as le sentiment de jouer le meilleur basket de ta carrière? Oui, après c'est dur à dire, parce que je pense qu'il y a des périodes dans ma carrière où j'ai joué un très très bon basket, mais j'étais pas forcément aussi responsabilisé. Pour plusieurs raisons, mais là, je veux dire, j'ai la sensation que le fait, d'avoir une équipe, un coach qui compte sur moi et en plus qui me responsabilise, qui me font confiance, ça mélangé à mon travail, ça donne ça. Alors que de temps en temps, j'ai aussi joué du très très bon basket dans ma carrière, mais quand t'as un effectif des fois de 12 joueurs de haut niveau et t'enchaînes les matchs, je peux pas forcément te montrer de la même façon que je peux le faire cette année. Mathieu, depuis son arrivée à Limoges, quand même, Nicolas, il a placé la barre très haute en termes de performance, mais aussi en termes de régularité quand même. Ben, c'est surtout ça. Alors déjà, t'as commenté ta question tout à l'heure en lui demandant si il joue pas le meilleur basket de sa carrière. Je crois que j'ai dû la lui poser 4-5 fois depuis qu'il est arrivé à Limoges. Non, mais c'est vrai. C'est à chaque fois, il a poussé la barre un peu plus haute. Et je pense que bien sûr, comme il dit, il a très bien joué durant sa carrière. C'est pas le problème. Mais la différence aujourd'hui, je pense que c'est vraiment sur la régularité. Shooter à 3 points, Nicolas Lang, on a toujours su qu'il savait faire ça. Maintenant, il a plus de responsabilités, comme il a dit, et surtout, il a cette constance. C'est pour ça qu'il a été appelé en équipe de France. Avant, peut-être qu'il pouvait sortir de temps en temps un match à 20 points, un gros match. Là, c'est quasiment tous les week-ends, et je pense que la grande différence, elle se situe à ce niveau-là. Nicolas, est-ce que ça avive pas quelques regrets de voir le niveau de jeu que tu as aujourd'hui, les responsabilités que tu as? Parce que quand on regarde un peu ta carrière, hormis à l'ASVEL en 2016-2017 où tu jouais 25 minutes de moyenne, le reste de ta carrière c'est 20 minutes ou moins, que ce soit à Chalon, à Paris-le-Valois, Villeurbanne ou Strasbourg. Alors est-ce que tu te dis finalement j'aurais pu apporter plus et mieux? Comment tu vois les choses? Ou c'était des circonstances qui dictaient les choses et ton temps? Non, je pense que c'est les deux. Ça reste que ce soit l'ASVEL ou
Bon, Chalon, c'était on a fait le triplé, donc j'ai eu la chance de gagner des titres et j'avais des très forts joueurs à côté de moi. J'ai appris beaucoup de choses. Après, oui, je pense que le vrai regret de ma carrière, c'est Paris où au début j'avais une occasion, mais mentalement, je pense que j'étais pas. Enfin, sur la deuxième saison, la première année c'est très bien passé, mais la deuxième année ce ne s'est pas du tout bien passé. Je pense que c'est un peu les circonstances, l'ambiance du club, mais aussi moi qui mentalement j'étais pas là où j'étais actuellement. À l'ASVEL aussi sur ma dernière année, les deux premières années se sont très bien passées, mais la dernière beaucoup moins bien. Pareil, les circonstances, beaucoup de joueurs de haut niveau, des fois des sentiments un peu d'injustice. Mais maintenant avec le recul, je pense que et avec les outils que j'ai actuellement, bah je pense que je l'aurais géré différemment. Mais après c'est normal, hein, je prends de l'âge aussi, j'apprends de toutes les situations et le but c'est surtout d'évoluer. Mais après moi j'ai absolument aucun regret de ce côté-là, hein. Je sais que bah, c'est, au final c'est le but de la vie, hein, d'évoluer, c'est ce que je fais. Et tu penses pas que certains entraîneurs, quelque part, n'ont pas eu la bonne vision de ce que tu étais en termes de performance? Ah si, ça je pense, ça je pense, je l'ai toujours pensé, et je le pensais déjà sur le moment présent, mais après c'était, vous savez, dans une situation, je pense que c'est jamais de la faute à 100% de l'un ou de l'autre, et des fois plutôt que de me frustrer, de me braquer, et parce que j'ai quand même du caractère, j'aurais peut-être pu on va dire répondre différemment à certaines situations. Et voilà, c'est pour ça que je dis que oui, pour répondre à votre question, ouais, il y en a qui n'ont pas forcément vu ce que je voyais, mais j'ai aussi mes torts dans certains cas. Mathieu, il y a les chiffres et les statistiques, hein, pour Nicolas, ils sont incontournables, mais il y a aussi, et ça on le voit moins, c'est une vraie discipline de travail, jusqu'à l'obsession peut-être, ou pas loin. L'obsession, je sais pas, je trouve, pour en avoir parlé avec lui, je pense que Nicolas, il a aussi trouvé son équilibre, il a des journées bien bien chargées entre ses deux enfants, l'école, il fait une formation, je sais plus trop de quoi, mais tu vas nous dire, Nico. Journalisme. T'as du boulot encore, hein? Le métier d'avenir. Non, c'est une business school, c'est ça? Ouais, école de management à Ouais. Grenoble. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, c'est aussi entouré d'un coach mental. Il fait des exercices cognitifs, il travaille beaucoup. Donc, ouais, je pense que c'est un peu un tout, une stabilité aussi familiale, mentale, et puis une éthique de travail. Je pense que tu n'arrives pas là par hasard, en plus à son âge. C'est vrai qu'il se bonifie. Donc, il n'y a pas que. C'est pas juste la prise de responsabilité au CSP. Je pense que c'est beaucoup de choses, en fait, qui expliquent la saison qu'il fait aujourd'hui. Nicolas, est-ce que cette discipline de travail, tu l'as tout le temps eue ou elle a été en augmentant au fur et à mesure des saisons, de ce que tu apprenais, de l'expérience et des besoins aussi, puisque l'âge passe et les années aussi? Ouais, bah, je pense que c'est assez paradoxal parce que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus, j'étais vraiment, je pense des fois à la limite du perfectionnisme, et pour moi c'était plutôt négatif. Ça veut dire que j'étais capable de rester des heures et des heures à la salle tant que j'avais pas réussi ce que je voulais faire, et des fois, bah, j'arrivais au match, j'étais fatigué, quoi. Que ce soit physiquement, mais que ce soit aussi mentalement, j'avais pas cette stabilité que j'ai actuellement. Physiquement, l'an dernier, je pense que c'était peut-être la saison la plus compliquée de ma carrière, vu que je venais d'avoir mon deuxième enfant. Au niveau du sommeil, c'était très tendu. Mais bizarrement, le fait d'avoir voilà, une famille à la maison comme ça me faisait rapidement passer à autre chose. Que ce soit dans les deux cas, hein, après une défaite où des fois tu as tendance à broyer du noir, mais aussi après un bon match où des fois tu as tendance à t'enflammer, et ben là tu n'as pas le temps, tu as tout de suite tes enfants à la maison qui te font comprendre qu'ils ont besoin de toi, et que tu n'as pas le temps de penser H24 au basket comme je pouvais le faire avant, et qui pour moi était totalement néfaste. Donc bien sûr, mon métier et ma passion,
une grosse partie de mon temps, mais je pense que cet équilibre hors du terrain m'a beaucoup plus apporté au final que n'importe quelle séance de shoot supplémentaire, on va dire. Alors, il y a une question là qui est arrivée. Quel est ton record de série de lancers francs à l'entraînement et à 3 points? Voilà. Alors, est-ce que tu as les chiffres ou est-ce que c'est des choses que tu comptabilises pas ou que tu comptabilisais peut-être à l'époque? Ouais, à l'époque, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. En fait, mon père avait réussi 93 de suite. Donc là, je le répète bien pour bien lui foutre les boules un peu. 93 de suite, et je sais plus quand je l'avais passé, mais je devais avoir 16-17 ans, donc j'avais fait 93. Et un jour à Paris-Levallois, je m'étais blessé à la peau névrose et j'avais 6 semaines où je pouvais rien faire à part être sur un pied. Et du coup, sur un pied, j'avais que ça à faire de faire des lancers francs et j'avais fait 192. Et à 3 points, il me semble que je m'en souviens pas. J'ai jamais vraiment essayé de faire la plus longue série ou des choses comme ça. Mais encore une fois, là, la série de lancers, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 2015, hein, donc ça fait bien longtemps que je travaille plus vraiment de cette façon-là. Ça se voit, c'est un peu moins bien cette saison, quand même. Et pour les paniers à 3 points, tu vas participer au concours à 3 points du All-Star Game. Il y a une petite préparation spécifique pour ça? Bah oui, il va falloir que je me prépare parce que la première fois que je l'ai fait, c'était en 2016. J'avais été affreux parce que je m'étais pas du tout préparé. Dans ma tête, je m'étais dit que c'était simplement tirer à 3 points et que c'était pas forcément différent de ce que j'avais connu. Mais au final, arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'est très particulier. Hein, ça a rien à voir avec des shoots de match ou des shoots d'entraînement. Il y a un timing à respecter. Il y a, selon si tu prends la balle du côté droit, du côté gauche, c'est pas les mêmes sensations. Donc non, cette année, je pense que je vais préparer ça un peu plus sérieusement parce que il y a quelques années, j'avais pris une bonne claque dans la gueule. Ce serait bien de pas nous faire honte, quoi. Ouais, peut-être que Hugo va te donner quelques conseils, non? Ouais. Attends, il en a gagné combien? 2, je crois. Hein. Oui, au moins, oui. Oui. Donc, niveau expérience, il doit connaître. Ouais, peut-être. Non, ça, j'ai trop de fierté pour demander à Hugo des conseils. Mathieu, on a parlé de l'apport de Nicolas sur le terrain. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Nicolas Lang, le capitaine au sein du groupe? Quelle est son influence? Quel est son impact? Quel est Moi, je pense que ça va de soi. Que je pense que c'est un leader déjà par l'exemple. Donc, je pense que il a pas besoin de parler beaucoup, mais je pense qu'il peut le faire parce qu'on a l'impression qu'il est tout gentil là, comme ça et tout. Mais en fait, Nicolas, il a aussi un gros caractère. Plus jeune, apparemment, c'était encore pire. Mais je pense que c'est le capitaine évident du Limoges CSP et que à la fois par l'exemple et qu'il peut le faire aussi vocalement. Nicolas, cette fonction de capitaine, tu l'avais déjà eu dans d'autres équipes, chez les jeunes ou des choses comme ça, ou c'est quelque chose qui est venu sur le tard? Non, j'ai jamais fait ça avant d'arriver à Limoges. Je veux dire, à l'ASVEL, j'avais Charles Cahudi. Quand j'étais plus jeune, j'avais connu Stéphane Rizaché à Chalon. Donc voilà, j'avais jamais fait ça. J'avais toujours un peu observé. Après, j'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais, que ce soit dans les nombreuses réunions d'équipe où généralement c'est un peu des réunions de crise. Quand on me demande mon avis, j'arrive pas à part aux journalistes. Ouais. Mais sinon dans les réunions d'équipe et dans ce qui se passe entre quatre murs, j'arrive pas. Si on me demande mon avis, sais que tu vas avoir ce que je pense. Mais j'avais jamais été capitaine. Après, c'est très dur de juger parce que j'ai toujours détesté les gens qui disent je suis un leader, je suis ci, je suis ça. Après, c'est clair que par l'exemple, j'essaye. Mais même au quotidien, même là-dessus, je pense qu'on est toujours perfectible. Donc voilà, je fais du mieux que je peux, mais ça reste quand même un sport où il y a quand même beaucoup de il y a de la pression, il y a des émotions. Donc voilà, ce sera jamais parfait, mais en tout cas j'essaie de faire ce que je pense du mieux que je peux. Est-ce que c'est un rôle qui te plaît? Oui, est-ce que c'est une charge ou pas? C'est sûr que des fois t'as des responsabilités que tu n'aurais pas si que ce soit des conversations, des choses comme ça que t'aurais pas si t'étais pas capitaine, et oui, des fois t'as aussi des
des moments où tu te dis, ah, je serais bien rentré chez moi sans avoir ce problème en plus à gérer, quoi. Mais au final, tu sais que voilà, c'est j'ai jamais regretté voilà d'être capitaine, de des fois prendre la parole, de communiquer, que ce soit avec le staff ou avec les joueurs. Voilà, c'est pas vraiment une question que je me suis déjà posée, c'est juste ça fait partie des responsabilités et voilà, faut essayer de les assumer du mieux possible. Mais est-ce que ça te semble naturel aujourd'hui comme rôle? Bah maintenant ça fait deux ans que je le suis, enfin 3 ans même, 3 ans avec depuis que je suis à Limoges. Oui, maintenant ça me semble naturel. Puis même au-delà de ça, hein, je vais dire même ça apporte, je pense que ça apporte beaucoup de compétences même pour l'après basket, on va dire. Je veux dire, d'apprendre à communiquer dans n'importe quel métier que je ferai, ben c'est clair et net que ce sera une expérience qui va beaucoup m'aider. Bien. Mathieu, tu n'as peut-être pas tout vu, mais tu l'as au moins lu. Nicolas a participé aux Fenêtres internationales avec l'équipe de France. De toute évidence, il a sa place dans cette équipe de France. Oui, je vais être très honnête, hein, j'ai pas regardé le premier match face au Monténégro où j'ai vu qu'il avait été très bon. Comme tout Limoges, j'ai craint le pire quand j'ai vu sur Twitter qu'il s'était blessé à la cheville. J'ai vu le deuxième contre la Hongrie. Oui, bah c'est clairement aujourd'hui, si tu enlèves tous les joueurs NBA, tous les joueurs d'Euroleague, Nicolas Lang, il a clairement sa place dans cette équipe de France. Je pense à la fois pour son caractère, son tempérament, mais aussi comme joueur, comme shooter, ils ont besoin d'un spécialiste du shoot. Donc ouais, ça me paraît, enfin sa sélection aujourd'hui, dans la situation actuelle, avec tous les problèmes qu'on connaît entre la FIBA, l'Euroleague, la NBA et tout, sa place, ça me semble parfaitement méritée, quoi. Nicolas, comment tu l'as vécu cette aventure en équipe de France? C'était un bon moment à passer? C'est quelque chose qui arrive presque inespéré? Comment tu l'as vécu? Non, moi comme je le disais la semaine dernière après le match contre le Monténégro, moi je prends ce qu'il y a à prendre. Oui, quand il y a tous les joueurs NBA, c'est Euroleague. On a quand même de la chance en France d'avoir un réservoir de joueurs avec beaucoup de gros joueurs. Et puis il y a même des joueurs qui sont un peu, même qui jouent au Real Madrid ou des choses comme ça, qui sont pas dans les 12 pour aller au JO par exemple. Ouais. Donc moi maintenant le but c'est d'essayer de continuer à progresser et après. Moi, quand on m'appelle comme ça pour les fenêtres, ben j'y vais avec beaucoup de plaisir. J'ai passé une très bonne semaine, que ce soit au niveau de l'ambiance dans le groupe, au niveau des entraînements ou voilà au niveau des deux matchs. Et voilà, moi je pense qu'il y a à apprendre. Et c'était une très bonne semaine. Il n'y a aucun doute quand on répond à l'équipe de France, sachant que le championnat d'Europe, la Coupe du Monde, on n'y sera pas. Ouais, non, honnêtement, moi, je me pose pas ce genre de questions. Je veux dire, À une époque, les pas si lointaine, hein, il y avait des joueurs qui refusaient des sélections, hein. ouais, mais c'est pas la même situation que moi. Je pense c'est peut-être des fois aussi l'été. Il y avait des mecs qui avaient quand même des saisons, des grosses saisons NBA, ils étaient très fatigués, ou des grosses saisons Euroleague. Des fois, voilà, j'ai pas envie de juger les situations personnelles de chacun. Chacun peut-être des fois c'est à ses raisons, mais moi là en pleine saison sur une fenêtre de novembre, bah tu te prends pas la tête, tu te demandes pas est-ce que je ferai une coupe de enfin championnat d'Europe, que championnat du monde. T'as juste voilà tu et encore encore une fois, au-delà du basket, ça reste une semaine de voilà de voir tout le monde, d'apprendre un peu de tout le monde, de côtoyer des gens qui comptent toute l'année. Généralement tu te bats sur le terrain, et ben c'était vraiment sympa. Donc une belle expérience sportive et humaine. Alors j'ai une petite question par rapport au match contre le Monténégro. Alors est-ce que les basketteurs sont des surhommes? Je m'explique. Tu te fais une entorse de la cheville en première mi-temps, tu sors en boitant, tu reviens, tu mets 12 points, c'est toi qui remets un petit peu l'équipe de France sur les rails de la victoire. Et puis quelques jours après, on a vu Neymar, il se fait à peu près la même entorse. Il sort sur un brancard en pleurant et il en a pour 6 semaines, voire 8. C'est quoi la différence entre un footballeur et un basketteur? Je pense déjà c'est pas le même prix à la cheville. Ouais, c'est les C'est mêmes pas le même ligaments prix à qui la sont distendus de toute façon. cheville. Ouais, Ouais, mais non, je bon. sais pas, mais en tout cas,
Si Neymar il reprend et que ça s'aggrave, c'est pas les mêmes responsabilités déjà à mon avis. Mais non non, je sais pas, moi j'ai même pas vu son image. Moi c'est un truc que je me fais tout seul. Si après lui je sais pas, il se fait découper, c'est peut-être pas pareil. Là, il marche sur un pied, Après il encore marche une fois, sur un pied. voilà déjà le fait de marcher sur un pied, je pense que c'est différent de voilà moi elle part toute seule donc je pense que inconsciemment j'arrive un peu à la garder, même si bon elle part quand même. Ouais, elle part bien quand Mais même, ouais. ouais, mais après en soi, tu retournes au vestiaire, t'es encore quand une cheville elle est encore chaude, si tu mets un bon strap, tu fais des tests. Voilà, si j'avais testé, en ayant testé, si j'avais ressenti des grosses douleurs, j'avais pas pu marcher, bah c'est clair et net que j'aurais pas pu jouer. Là sur le coup, tu sais que le lendemain ça va piquer. Mais en étant chaud, tu peux avec un bon strap essayer de revenir et voilà, après t'apportes ce que t'as apporté, si ça se passe bien tant mieux, mais t'essayes au moins quoi. Bah, t'as bien essayé, parce que bon, si tu rates ton premier shoot à 3 points, après les autres, ça a été du 100% derrière. Ouais, après c'est voilà, il faut je pense aussi le fait d'être dans un match comme ça où c'était un scénario où le match était serré, on était un peu derrière, bah ça te permet justement d'être alerte et d'être concentré sur ce que tu as à faire sur le terrain, et du coup t'oublies un peu la cheville, on va dire. Bon, et aujourd'hui, elle va comment, la cheville? Bah je fais beaucoup de soins, je suis strappé. Après c'est pas quelque chose qui se remet voilà, tu reviens pas à 100% du jour au lendemain, mais je peux m'entraîner, je peux jouer, donc c'est l'essentiel. Bon, donc Mathieu, t'en penses quoi, toi, la comparaison footballeur-basketteur? Bon, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. J'ai pas trop d'avis là-dessus, non. Je pense qu'après, chacun est différent au niveau de ses ligaments aussi. T'en as qui ont les ligaments plus souples que d'autres. Enfin, tu vois, tu peux. Après, c'est quand même pas les mêmes carcasses, hein. Je pense Ouais. qu'il y a au moins 20 kilos d'écart quand même, hein, entre les. Ouais, mais après, la torsion est peut-être pas la même. Enfin, moi, comme dit si bien Nico, je suis pas kiné, hein, donc je sais pas. J'allais dire. Je sais pas. Ouais, ça te manque. Bon, Nicolas, il y a des questions qui sont arrivées. Il y en a plusieurs qui sont sur le même sujet. Qu'en est-il de la suite de ta carrière après Limoges, puisque a priori tu es en fin de contrat au mois de juin, c'est ça? On n'a peut-être pas les mêmes infos, mais Non, 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 tu es toujours sous contrat. Hein. Ah, mais mais on il y a encore une année de contrat. Bon, ben, en tout cas, les gens sont très inquiets de savoir. Si tu vas rester à Limoges, ben, l'année prochaine, sûr, mais aussi les autres, est-ce que comment tu vois cet avenir? honnêtement, ça fait bien longtemps que dans le sport dans lequel on est, je vois plus l'avenir en fait, parce que chaque fois où je pensais être sûr de rester quelque part, ben des fois on m'a c'est le club qui m'a bougé, on va dire. Des fois tu penses que tu vas partir, finalement tu restes, donc c'est je sais plus j'ai honnêtement j'ai moi je suis très très bien. Quand je dis moi, hein, c'est également ma famille, parce que si ma famille n'était pas bien, ça ferait bien longtemps que je serais plus là. Mais en tout cas, nous, on se sent très bien à Limoges. J'aurais pas re-signé il y a 2 ans si c'était pas le cas d'ailleurs. Après, voilà, dans le sport de niveau, tu dois jamais dire jamais. Mais en tout cas, non, non, en tout cas, nous, on se sent très bien ici. Donc voilà. Tu te verrais finir ta carrière ici? Ça, c'est très long à dire, parce qu'une carrière, c'est très 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 loin. Donc encore une fois, je sais même pas si vous me demandiez dans combien de temps je finis ma carrière. Dans 3 ans, bah à voir, je sais pas. Ça se trouve maintenant avec la voilà, on voit quand même des sportifs finir de plus en plus tard, on va dire. Mais en soi, ah non, j'aimerais beaucoup finir ma carrière à Mulhouse. Ouais, et puis bon, il y aura peut-être la tentation de l'étranger aussi qui peut arriver. On sait que cet été, il y a des clubs étrangers qui sont plus ou moins intéressés à lui. T'es un peu retenu par le col, par son directeur Mais sportif. ça on verra, hein. Il y a aussi voilà, il faut étranger, c'est bien, mais il faut aussi que quelqu'un vienne te chercher. Donc après, c'est pas honnêtement c'est des questions qui me taraudaient vraiment quand j'étais plus jeune. Maintenant, comme dit, je suis très bien, je suis très ici, j'essaie juste de performer. Et après, à partir du moment où tu performes, que ce soit à Limoges ou peut-être à l'étranger, ben t'auras fait tout ce qu'il faut, et ensuite le reste c'est plus trop de ton ressort, on va dire. Mais est-ce que c'est une envie, l'étranger, ça, tu peux. Avant c'était clairement une envie. Il y a quelques années,
J'étais prêt à aller au fin fond de la Suisse, au fin fond de la Bosse, moi, tu m'avais dit. Ouais, enfin, c'était, je sais plus quel pays j'avais dit, mais c'était pas les meilleurs championnats. Hein. Ah, la Bosnie, la Suisse, c'est pas pareil. Tu m'avais dit, j'aurais été prêt à partir en Bosnie-Herzégovine. J'avais tellement envie de découvrir autre chose. Voilà, maintenant, honnêtement, tu fais plus les mêmes choix que quand t'es plus jeune. Voilà, comme dit, j'ai deux enfants. Le choix, il est. C'est plus seulement Nicolas qui compte et qui est capable d'aller dans quelque part et où il connaît rien et tu sais pas comment ça va se passer parce que je sais que je pourrais le gérer. Non, j'ai une famille et il faut aussi voir pour mes enfants, ma femme, ce qui serait le mieux. En tout cas, tu n'as pas fixé de date limite. C'est le Ah, corps moi, qui je... décidera, ou le corps ou la tête, les deux, peut-être. Ouais, il y a beaucoup de il y a beaucoup de paramètres. Je pense qu'il y a le corps, il y a la tête, et après il faut aussi avoir quelque chose derrière. Je veux dire, je fais tout ce qu'il faut pour essayer d'avoir la meilleure reconversion possible, mais comme dit, on sait pas de quoi demain sera fait, et j'aimerais beaucoup le jour où je m'arrête direct enchaîner sur un projet qui me passionne autant que le basket actuellement. Donc c'est aussi ça va aussi être très important dans le fait d'un jour d'arrêter, de pas arrêter, de continuer. Et puis bien sûr, si tu dois jouer au basket et que t'es cassé et tu peux jouer à 50% de tes possibilités, ben c'est clair, tu prends plus de plaisir et automatiquement t'as tout intérêt à arrêter. Tu peux nous en dire un peu plus là sur ce que tu es en train de préparer, sur ta reconversion, comment tu l'envisages? Est-ce que ça serait dans le domaine du sport, du basket ou autre chose? Actuellement, là, je fais une formation. C'est l'école de Grenoble. C'est une école en management et c'est l'école de commerce de Grenoble. Et c'est sur 5 ans. Et là, je suis dans ma deuxième année. Donc, c'est des cours à distance, beaucoup de devoirs, beaucoup d'examens. Donc, ça, en plus de mes enfants, ça me prend énormément de temps. Après, pour l'instant, j'ai plusieurs idées. J'organise des camps de basket l'été avec Léo Westermann. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'aimerais peut-être essayer de pousser un peu plus loin pour essayer. Voilà, j'ai pas envie de trop en dire non plus, mais pour pousser ça plus sérieusement sur toute l'année. Mais ça, encore une fois, ce sera que quand j'arrêterai le basket. Si je dois rester dans le basket, ce serait plutôt sur quelque chose comme ça où je suis un peu mon propre patron, on va dire, où je peux vraiment. Ce que je pense du basket, comment je vois le basket, ma philosophie de jeu, transmettre ça à des plus jeunes, plutôt que de rester dans. Honnêtement, encore une fois, faut jamais dire jamais, mais je me vois très mal coach ou général manager. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse pour l'instant. Tu sais qu'à Limoges, il y a le Centre de droit et d'économie du sport qui fait des formations pour les managers généraux de clubs sportifs professionnels. Zinedine Zidane, notamment, est passé dans cette formation. C'est quelque chose qui t'attire pas du tout? Honnêtement, tous les cours qu'ils font, et moi je suis très curieux, donc j'avais déjà vu un peu le CDES. J'avais rencontré le président quand je jouais encore à Strasbourg. Je l'avais rencontré en lui disant que je savais pas trop encore ce que je voulais faire. Je lui disais qu'un jour, pourquoi pas. Mais en fait, rien que les cours m'intéresseraient. Mais après, être général manager d'un club pro, non, ça m'intéresse pas forcément. Mais c'est clair que voilà. Je suis beaucoup de personnes qui sont passées par là-bas par exemple sur LinkedIn, et quand je vois leur poste, leur façon de penser, c'est toujours très très intéressant. Et oui, comme je suis quelqu'un de très curieux, ça m'intéresse. Mais après, en soi, devenir général manager d'un club, ça c'est pas comme Non. dit, il faut jamais dire jamais, mais c'est pas ce qui me passionne le plus, et je pense pas que ça changera. Mais ça sera en tout cas dans le milieu du sport. C'est pas sûr, c'est pas Pas sûr. sûr non plus. J'ai un esprit assez entrepreneurial, donc je me connais, je sais que voilà, le monde évolue très rapidement aussi, donc on n'est pas à l'abri que dans 3 4 ans, je trouve un truc qui me passionne, et boum, je vais à 100% là-dedans, dans ce côté un peu entrepreneurial, et voilà, je me fixe aucune limite, que ce soit dans le sport, mais aussi dans la reconversion.
Bien. Une dernière question. Tu as parlé tout à l'heure de finir ta carrière à Mulhouse. Retourner en Alsace, c'est le but ultime ou pas? Ah, c'est le. Ouais. Non, non, c'est. Non, c'est. J'ai toujours été. Je suis connu de Limoges de ce côté-là. Ils sont ultra fans, ultra chauvins, ultra fans de leur ville. Moi, au-delà de ça, c'est pas forcément l'Alsace, c'est surtout Mulhouse. Et tout le monde me dirait pourquoi Mulhouse, c'est moche, c'est ci, c'est ça. Mais au final, c'est juste de là où je viens, c'est de là où j'ai la famille. J'ai toujours été amoureux de ma ville depuis que je suis parti à l'âge de 15 ans. Et ma femme commence enfin à accepter la possibilité de pouvoir y retourner un jour. Elle n'est pas de voilà, Mulhouse. Non, elle n'est pas de Mulhouse, mais sinon, sinon ce serait plus simple. Voilà. Mais en soi, oui, je commence à avoir des très bonnes connexions. Je pense j'ai quelques beaux projets qui peuvent se concrétiser là-bas sur l'après-basket. Mais sinon, si j'étais pas aussi fan de ma ville, je pense que voilà, rester à Limoges sur l'après-carrière, ça aurait été également une possibilité. Mais ouais, Mulhouse, c'est quelque chose où ça me tient très à cœur et depuis toujours, quoi. Alors personnellement, je me souviens d'un déplacement à Mulhouse. Hein, c'était de la N1 à l'époque. C'est pas le meilleur déplacement de ma vie. Hein, J'étais sûr. Alors, parce qu'on est sorti de la salle, on n'a pas trouvé un resto. Enfin bon. Mais il fallait demander aux bonnes personnes. Ah ben voilà, on n'a peut-être pas trouvé les bonnes personnes. Donc bon, bref. En tout cas, merci Nicolas, merci Mathieu. Pas de quoi. Merci d'avoir participé à notre émission. Rendez-vous sur nos sites internet lepopulaire.fr et lepopulaire.terre-de-sport pour revisionner cette émission. N'hésitez pas à commenter et partager. Et rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro de CSP Time. Salut. Bonsoir.